Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une petite découverte de jeu, donc il s'agit de Dying Light 1 et non le 2. Et je suis en solo à la place d'être en multi, parce que le serf farming est toujours out. Juju elle est out, elle voulait faire une vidéo quand même sur Sleeper, mais non, vaut mieux qu'elle se repose, elle a rendez-vous chez le Toby tout à l'heure. Et donc du coup, je suis tout seul, j'ai essayé d'avoir papy, mais il est pas là. Donc on va faire tout seul, tant pis, c'est pas grave, pour la première vidéo au moins. Je vois que le son peut-être est à peine trop fort, on verra. Ah, je modulerai en cours de route, hein, c'est pas grave. Mais du coup, bah voilà, on va faire la découverte tranquillement tout seul pour le premier épisode. De toute façon, normalement, on est censé jouer de base tout seul pendant une grosse demi-heure, comme a dit papy. Donc, j'aurais bien voulu que les autres le fassent en même temps que moi. Malheureusement, bah, j'ai pas de jeu. C'était soit ça, soit Star Wars Jedi Fallen Order. Le truc, c'est que je vais faire une vidéo de Star Wars, c'est pas le problème. Mais le problème derrière, ça va être de faire les autres vidéos, puisque on a déjà ça qui va pas mal nous occuper. Donc tant pis, je vais faire le premier épisode tout seul. Bon, on va jouer la campagne, hein. Oh, je suppose... Attendez, je vais regarder juste un truc. Oui, c'est juste ça. Jouer le zombie, je sais même pas ce que ça veut dire, on verra plus tard. Alors, la nouvelle partie... oui, bah, let's scope ça. Et on est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Difficulté normale. Alors, mode histoire normale, difficile, cauchemar... Après, si j'aurais envie de trahir mes grands morts, je prendrais mode cauchemar, mais on va rester en normal, on va pas jouer les fifous. Et on est parti. Oh, si c'est trop fort, je couperai. Ça va pas du tout. Information sur le sujet, Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. J'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite, faut qu'on file. On le dégage de la rue. Ouvre la porte. Ah!
Ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Alors bien sûr, j'ai pas parlé pendant ce moment-là parce que je vais vous toucher le son. Hein. Moi, j'ai douillé mes grands morts, mais faut que je change le son parce que là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Vous allez trop douiller comme moi, j'ai douillé. Donc, je regarderai après. Malheureusement, j'ai essayé de changer le réglage de son en cours de route. J'ai pas pu. Bon, alors là, ça va recommencer certainement. Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! Alors est-ce qu'on peut retoucher là? On peut retoucher. Cool, magnifique. Parce que je vous avoue que... Pourtant c'était pas si fort que ça, mais... On verra bien, on retouchera en cours de route, c'est pas très grave, mais putain j'ai douillé. Hein. Du coup je vais essayer de me démerder pour vous retoucher le son, pour vous. Faut vraiment que je me mette au double piste audio, c'est terrible. Alors, allez dans votre plan pour l'utiliser. J'ai pas de plan, d'ailleurs je regarde un peu ce qui se passe. Ça c'est pareil, ah ça c'est toujours, le premier épisode c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. On s'en fout dans le menu. C'est encore trop. Oh, c'est terrible ça. C'est tout le temps, de toute façon, ça. On verra bien, en cours de route. Ah, c'est quoi, il n'y a plus de son. Ah, je déteste quand c'est ça. Ça fait ça. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur. Incroyable, je vais pas arriver à régler tout ça, c'est chiant. Gosse, bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté, va en salle 190, le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. C'est toujours pas assez, hein. C'est terrible ça, hein. C'est terrible. Alors un coup c'est 2 fois trop fort, le coup d'après ça y est plus, c'est... En fait c'est les cinématiques. C'est pendant les cinématiques que ça fait ça, sinon en temps normal dans le jeu... 31, c'est ton numéro. C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tôt ici. Une dose d'antizine en moins, un nouvel infecté. Un traceur de perdu. Mais tu joues au foot. 31 infecté et plus que 7 traceurs. C'est à cause de lui qu'Amir est mort? Et toi? Si je veux. Maintenant c'est lui qui aura l'antizine d'Amir. Salut, où est la salle 190? À l'étage. Putain, les mecs ils sont pas du tout contents. Hein. Tête de veau. On se fait éliminer les uns après les autres. Et toi, tu es qui? Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler, on gagnera du temps. Putain, la lèvre... J'ai du travail. Les lèvres ne suivent pas le son. Insupportable. Les lèvres ne suivent pas le son, j'aime pas ce... Je n'aime pas ce... Je cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi, le 31. Entre. C'est là. Ah, ils ont encore la télé? Terrible. Il est où? Il est là. Eh, je cherche... C'est toi, le boss? C'est quoi, le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri.
On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antizine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antizine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Hé, hey, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Hé, hey, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. On va aller sauver, c'est ça? Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Quel accueil. En tout cas, c'est assez joli. Bon, faut faire quoi? On se promène? Je suis pas feignant. Je suis pas feignant. À la foutre. C'est quand qu'on tire? C'est lui le boss? Mamadou? Ah, je suppose que c'est en dessous de nous et pas ici. Ah, où non, tu vas comme ça là. Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. Qu'est-ce qu'il y a au 13e? Oh putain, l'ascenseur marche en plus. Bijou. Bijou, bijou. Ah. Ah, je vois, oui. Il y a eu combien de morts ici? Non mais... Comme s'il allait avoir un gosse dedans. Putain, c'est dégueulasse. Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antizine tout de suite. À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Je sais que normalement dans ce genre de jeu, faut jamais être trop curieux, mais bon. Alors je suppose qu'on rope toujours de la même façon. Un coup, c'est tout? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? Bah oui. Oh bon Dieu, c'était mon frère. Ah. Bah, je suis venu là pour le voir. Il est mort. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Prenez soin de ma... Oh putain, on va se triquer le cul. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et... de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Ok, faut chercher. Petite session cherching. Ah, l'instinct de survie. Ah! Ok.
vous sa porte, non? À un moment donné, Echo. On va recroiser du monde, vous croyez? Oh. Le pire, c'est les screamers, je pense. S'il y en a. Oh, certainement. Hein. Il y a mangé là-dedans, j'ai faim. André? André? Les clous? Bien sûr, c'est fermé. On peut courir. Bon, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas courir, c'est triquer des IQ, mais... On a déjà regardé ici à personne. Hein. J'ai eu faim. Pièce électronique. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais on verra ça plus tard. Gaz, j'ai bon, trop. C'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. Ok. Je ne sais pas comment on fait. I. Plan, compétences, carte, quête. Ouais. Récupérer, déposer, valeur. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. On va. On vient là. Alors. Tu peux pas fermer la porte, ça m'arrangerait. Comment on fait? À récupérer. J'ai pas compris comment il fallait faire. Ça et ça, bah j'ai bien compris, mais... Enfin, je pense... Comment je fais? C'est L, c'est pas I. Alors, trouver le gaz et l'alcool pour fabriquer un kit de soins. Bah oui. Comment on fait? Ah, puis y a pas papy, hein, il est chiant aussi, lui. Comment on fait pour faire ça? Déposer. Puis ça. Tu veux pas le faire, toi? Je sais pas comment on fait. Puis je cherche comme un con, puis... Oh! T'es obligé de faire une coupure. Ah bah, fabrique! Ah cool, bon, j'ai trouvé. Vas-y, Abdoulila. Une compresse. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. Non mais on vient de le mettre. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Ok. Bien joué, 31. Parler à Ray. Bah, faut remonter, du coup. Hey, 31. Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Ah, ouvre. Ok. On peut pas rentrer par là, par contre. Qui envoie ces zingues? Le gouvernement? Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Gâteau! Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, ah ben là, voilà. Tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives. Sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, j'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte.
alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Donc je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. Oh et putain. Toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse ? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Raïm. Raïm. Raoul. Bon, vas-y Maurice. Bon. Bon, ça t'a suffi ? Tu peux parler à Brecon maintenant ? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues ? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecon. Appelle-moi quand tu seras changé. Oh là là, t'es pas difficile, toi. C'est où, notre chambre ? C'est là ? Non, pas du tout, faut repasser par là. Comme des rats en cage. Je suppose que c'est au même étage ? Enfin, j'espère. D'accord, tout est ouvert, rien à foutre. Alors, nouveaux habits. Voici votre plan. Vous pouvez y changer de tenue et y stocker des objets. Vous avez un... Ok. Bah vas-y. Hein. Paye tes habits. On n'a rien du tout. Ah, on peut stocker peut-être. Est-ce qu'on a un poids à respecter ? Ok, Raïm. On a un poids ou pas ? J'en sais rien. Je suis prêt. Où je peux trouver Brecon ? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. On va faire des quelques escaliers à monter. C'est chiant. D'accord. Raïm, je te vois pas. Où t'es ? Dans ton cul. Prêt ? Il faut aller là-bas, je suppose. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens par ici. Alors, base du parcours, vital pour se déplacer. Maintenez le bouton sur l'espace pour saisir un rebord que vous regardez. Vous pouvez effectuer cette action en marchant, en courant, en sautant, en tombant. Ok. Nos problèmes, mon choix. Faire le pied de grue. Oh putain. Ah, j'aime pas le vide. Non, mais ça ne me fait rien, tu me diras, je m'en fous. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir ? Fais seulement ce que je te dis, d'accord ? Bon, maintenant saute tout en bas. Quoi ? T'es cinglé ! Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là. Si, regarde. Raïm ! Merde, bouge pas ! Je vais chercher de l'aide ! Mais non ! Je te fais juste marcher ! Espèce d'enfoiré ! Bah quoi ? T'aimes pas les blagues ? Allez ! Ramène tes fesses ! Putain de merde ! Bon, y'a des matelas, quelque chose ? Oh putain ! Oh, c'est des poubelles, ça va. Ça déboîte, hein ? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Bon, moi je trique des culs, hein, à la foutre. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs bah, auront du mal à suivre. Bah, ils plongent pas, le con. Ah, d'accord. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Pas mal ! Ok. Toi, débutant ! Je
Fais gaffe à pas tomber, parce qu'ici, c'est sans filet. C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, quoi, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Ah. Je me demandais ce qui arrivait. Ah, je me demandais, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il va y avoir là encore. Ok. Brrr. Bah, déplace-toi, enfant de tes murs. Bah bon voilà, travail. Vas-y. Putain, faut redescendre. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. D'accord, lol. Mon cul. Qu'est-ce qui... Quoi? Ah, faut remonter là, peut-être. Ouais, c'est mieux. Allez, je cherche un meuf la vieux maintenant. Faut le temps que ça monte au bocal. Hein. Il faut le temps. Oh oui, la saucisse. Yo! Ça ira comme ça. Il est trop vieux. Sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. 500 d'XP, c'est cool. Retourne à la tour. Oh, magnifique, j'adore. Qu'est-ce qui m'arrive ? Crane ? Crane ! Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un zombie. Il s'est passé un truc. Raim, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde. Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Ah. Ta première crise. Une crise à la cinquantaine. Je suis là, Maurice. Raim, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Dévorer la tête? Roger. Alors. C'est ici, je suppose. Ah, faut utiliser l'ascenseur. Oh. Ah, pardon. Faut rester appuyé. My bad. Oh, les transitions, on dit. Bidonville. Ils m'ont donné un vrai boulot. Et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant... Tout se passe bien. Je crois qu'on n'entend plus rien. Oh. Le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises. Tout ira encore mieux. Ok. Faut que je remonte un peu le son. Le problème, c'est que pendant les cinématiques, faut que je le rebaisse. Oh, quel bordel à cul. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Sinon, y'a pas un machin cinématique. Gamma, champ de vision, on s'en fout. Les gamins, ça peut être sympa par contre. Est-ce que ça va être trop fort? Du coup, excite-moi la vieille. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raim a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais à la foutre. Mais ne leur en veux pas. Bon, bah, on devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville,
c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme, pour te tenir chaud. Nous, on va se taper la nana, là, la sœur. Ok. Bon, alors on recommence. Ah, le premier épisode, c'est un enfer, le réglage du son, c'est tout le temps pareil. Puis ça, tu peux pas le savoir avant d'être dans le jeu. Demande de vous faire une piqûre. La situation est de pire en pire. D'anticine, comme. Ah, vous mettez déjà des masques, vous? Vous avez vu dans le futur, alors? Ah, con. Alors, est-ce qu'il faut qu'on fasse souvent notre manouche? Je veux le picouze. Tu manges? Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. J'ai pas de picouze, moi. C'est normal? Tu sors? Non, je suis en train de chier. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. J'avais compris. Ah. Il y a du mundo, maintenant. Ah d'accord, on a de l'endu. Ah oh ouais, mais t'as vu le monde qu'il y a, toi? Ça arrive derrière ou pas? Non, pas du tout. C'est bon. Ok. Ah mais non. Oh, adieu le monde. Orgie. Faut qu'on remonte peut-être, hein. Mais j'ai pas envie de m'arrêter, moi je veux mettre des coups de trick. J'ai pas le temps de fouiller, du coup c'est chiant. Mais on a l'air fin là au-dessus. Ah oui, non, mais ils sont tous là les cons. Ils sont tous là. Oh mon dieu, j'ai failli louper. On peut pas marcher sur les câbles, je suppose. J'ai des amortisseurs, pas d'inquiétude. Je les loupe en plus. Par contre, on va pas avancer d'un centimètre à cette cadence-là, en fait, hein. Ah mais notre arme elle s'use, la Zermi. Bon moi je vous prends un par un en fait. Bah yes, j'ai pas envie d'avancer. Ah puis on revient, hein. J'ai plus d'armes. J'aime ce me. Attends parce que. Ok. Je veux voir ce qu'ils ont à m'offrir en fait. C'est surtout ça le truc. Comment on fouille? 8 balles. 15 balles. Celui-là là. Alcool. Aisé. Ah, j'aime ça l'alcool. Pièce métallique. 8 balles. 61 balles. Vas-y.
Par contre, alors comment on fait? Ok. Comment on fait pour voir les niveaux qu'on a pris là? Compétences. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous avez des points de compétences à dépenser, choisissez un des arbres de compétences auxquels affectez vos points. Alors on a agilité, puissance et survivant. Et là j'ai un point en puissance. Alors, affiche-moi l'arbre. Arbre de puissance. Tuant vos ennemis et utilisez les. Moi j'ai pas besoin d'innover. Alors c'est quoi ça? Étourdissement. Niveau 2. Prenez à attaquer avec une grande précision. Chaque coup porté avec une arme. Non, t'as la tête d'un ennemi a une chance de l'étourdir. Bah vas-y, yes. Bon. Alors ils ont dit que la plupart ne montaient pas, on est d'accord. Ah ils sont gentils ceux-là. J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Docteur ? Eh oh, y'a quelqu'un ? Camden ! Tu es là ? Merde. Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi ? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable ? Donc, y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Rien à foutre. Ok. Il faudra venir là pour récupérer notre dose. Je suis en train de penser à un truc. Envoyé presque tous ses meilleurs. Raïm, Zeri m'a examiné et fait une nouvelle injection. Il est quand même sympa. Hein. Super. Ça devrait te maintenir un moment. Bon. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. T'aimes ça me donner des ordres, ça. L'entraînement commence vraiment. Bon, vas-y. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeri. Il a du boulot pour toi. Mister Spike. C'est toi, Spike, à moins de vous voler quelque chose, rien du tout. Point de compétence. Ah bah, Abdoulila. Compétence. Alors, le niveau de survivant permet d'accélérer les aptitudes, les plans et des gadgets. Ok, donc là, c'est pour faire quoi? Kit de survivant. Apprenez à fabriquer des objets basiques pour la survie. Crochet, pétard, shuriken simple et cocktail molotov. Molotov. Ok. Bah vas-y, Maurice. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Magnifique. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Ah. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas,
Sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Ok, ils sont où les pétards? Ah, c'est ceux-là du coup. 5 pétards. J'aime ça les pétards. Casse-toi pour voir, merci. Les butins sont la clé de survie. Fouille les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants. Ok. Ok. Butin. Moi ça me va. C'est y part, monseigneur. J'aime bien le tuyau, je le trouve sympa. Tiens, d'abord la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ok. Ici Jade. Il y a quelqu'un dehors. J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos tracheurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les cigarettes. J'aime ça, les clubs. Très bien, je m'en charge. On met des sacrés pétés quand même. J'aime ça ce qu'on colle. Putain, mais il y en a toujours. Tu crois qu'on peut tuer la map? Comme ça? Oh, Dieu, les secouer qu'on colle. Comment on répare, je me rappelle plus. R. Oh, on met ses pétés, oh, j'adore. J'adore ça, moi. Suivant. C'est toi le prochain. Jamais assez, moi. Le suivant. Encore qu'on veut. De l'alcool et tout. Bah, nice. Bah, yes. Alors, du coup. On va avancer un petit peu quand même parce que. Puis là, j'ai pas de quoi réparer par contre. Hein. Madame, t'es morte? T'es mort? Non, je suis en train de chier. Figurine de zombie. Oh, je ramasse tout, moi je suis. J'aime ça faire les manouches dans les manouches dans les jeux, moi c'est terrible. Oh, on a mangé. Bonjour, c'est Babanou, vous allez bien? Sale bête. Ok. J'ai toujours peur que ça arrive derrière, donc. Au lit. Des clopes. Merde. Mangeoire, t'es mort quoi, hein. Pour voir là. Je bourrine le cul. Hein. Bon, bref. Par contre, à cette cadence-là, on n'a plus d'armes d'ici 5 minutes, nous.
me faire ça. Dans le doute. Mon dieu, il est trop fou. Ah, par contre, je suis baisé. Puis là, celui. Ah, d'accord. Oh, bah, écoute, on passe à travers. Moi, ça me va tout à fait. Et pile. Et pile de la Moria, maintenant. Petit panier en osier, là, du café. Il y a des choses par là. Il y a des choses. Ah, mais il monte. Mais il va quand même pas sauter. Bonne chance. Par contre, je peux pas sauter là en fait. Hein. Ah, yes. Hop. Waouh, mais il y a du monde, maître nain, ici. J'ai pas de quoi réparer. Ici, j'ai de quoi, mais c'est la Moria. Est-ce que je peux crafter des trucs par hasard? J'ai rien du tout à crafter. Crochet, argent, kit de soin. Parce que, autrement, moi, je descends, ça va des écus, hein, sinon, ça me pose pas de problème. Mais demain matin, je suis encore là, en fait. T'as le monde. Safe. Safe, ouais. Je regarde, j'analyse. Hein. Si je peux pas monter à la porte, je suis dans la merde. Est-ce que je peux descendre dans la maison? Toi, t'as toujours pas bougé d'un centimètre. Yann! Ok, Jade, je suis sur place. Avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Ça y est, ça suffit. Au lit. Il y en a dedans. Ah bah yes. Ah, je crois que pour lui, c'est fichu. Ok, est, hein. C'est fait. Bon Dieu. Ben adieu, bon Dieu, ben adieu. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Ah, faut que j'allume les lampes. Ah, ok. Ok, ok. Oh merde. Monter sur le toit et contacter. Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Comment je saute là-haut? Ouais, je suis trop court. Mais il est peut-être méchant, monsieur Brochant, non? Il y en a infecté, là. T'es un mangeoir, t'es mort pour... Bah yes. Oh oui. Planche à clous, planche. Crochetage. Oh mon dieu. Pour crocheter, il serait déplacé le crochet avec la souris et fait tourner le tournevis avec Q. Ce main vibré, il peut casser, ne forcez pas. Déjà pour continuer. Ok. Oh, je suis un gros fils de pute. Bon. Plan. Crochet. Fabriquer. C'est pas le même système que Fallout par hasard? Me semble-t-il. Sauf que ça s'utilisait pas pareil. C'est bon? Oh, une clé à molette. Du café. Ok.
Mais tu veux pas monter sur toi là? Ici Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Ok. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane, merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. T'as la voiture à proximité aussi, toi. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Là, faut que dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Alors, attends. Équipez-vous des pétards en appuyant sur 1. Ah, pardon. Oui, vas-y. Ben voilà, je lis. Et après... Faut que je les mette là-bas. Ah ouais, ben j'aurais dû mettre plus loin. Bah yes. Je suis mort, je pense. Hein. Je vais me faire bouffer le huc. La voiture, c'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Des biscuits. Mais non, mais mange pas, fais pas que de bouffer. Je pensais qu'on les gardait un peu en stock, moi, mais mes couilles. Merde. Mais quel idiot, je te jure. Bah yes. Là. Il y avait des trucs là. Ah, il y a un truc. Il y a personne, Gaston. Hop. Ouvre la malle. Et le mal. Il ouvre le mal. Le mal est partout, c'est bien connu. Alors, où c'est qu'on va? Moi j'aime bien dégnapper des culs. Ça me fait chier tous les éviter. C'est en dessous de nous. Bah ouais. Ah pardon. Sacré dispositif, dis donc. Le con, j'ai pas regardé à droite. De ma gueule là. Il va faire nuiter les petits. J'aime ceux. Clamolette. Ok. Putain, il a plein les toits. Il n'y a pas derrière. Il est au-dessus. C'est bon.
Ok, nice, bon. Des trucs en dessous de moi, je suis sûr. Là, il y a quelque chose, par contre. J'en fais quoi de ça? J'y jette dans la gueule? Ouais, mais je peux pas tirer dessus, donc c'est pareil, quoi. On m'a dit ça fait haut quand même. Et y a du monde ici. Il est tout en dessous de moi. Elle pète la porte. Putain. Il y a des choses ici. Ce bordel. Ça s'explique pas. Ok. Je suis obligé d'aller par terre. Il va faire nuiter les petits, non? On fait un random, c'est terrible. Bon. Il y a du monde dehors. À combien qu'on est 57 minutes? On va pas tarder de s'arrêter, messieurs dames. J'avais dit des vidéos d'à peu près une heure. C'est déjà pas mal. Alors là-bas j'ai compris. Esquivez les attaques en sautant en arrière ou sur le côté. Déplacez-vous dans la direction d'un espace. Ok. Bah vas-y. D'où lui là. Après. Voilà. Yop là. Et je me tire. Je passe à côté. Quel sac. Ah mais c'est là. Ah ah ah. Sauf que... Quel sagouin. Bon, il faut que je monte par là-haut, quoi. Il y a du monde ici, Roger. Oh, il y a plein de choses. Des choses. Hop. Un tuyau d'eau. Un peu que j'ai sauf. J'ai même pas regardé derrière moi, rien à foutre. On va bientôt plus rien. Hein. Terrible. Du plastique. Oh. Oh, j'aime pas ça, faire ça. Ça me plaît pas plus que ça. Et puis j'en ai plus, si. Voilà, il suffisait simplement de faire ça, j'ai fait de la merde. On voit bientôt plus rien, c'est terrible. Ouais, je suis plein. On a une lampe. Bon, si tu es mon cul. Je vois plus rien du tout. Bon, alors comment on monte là-haut là? Comme ça, sur la caisse, là. Penses-tu, mon cul? Il y a une échelle ou pas là? Je vois pas d'échelle moi, Roger. Il y a pas d'échelle alors quoi? Ah, je vois. J'ai vu. Là. Il est costaud quand même. Le con. T'as déjà vu un sac toi? J'ai pas vu, il fallait monter. Là-haut, là? Il est fou, lui. Il est fou, dit. Est-ce qu'on peut save? Ou est-ce qu'il faut absolument... Si je quitte. Est-ce que ça va save si je quitte?
Je vais peut-être me mettre sur un toit quand même. Mais je sais pas si ça va save ou pas. Il y a des trous ici. Il y a des trous chez vous. C'est un trou ça. Bah yes. Ah. Je vais pas monter le con. Mais il se fout de ma gueule. Bon, c'est pas grave. Du coup, on stoppera pour aujourd'hui, messieurs, dames. Pas mal comme jeu. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de jouer en multi, surtout. Ça va être marrant. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes dans la soirée. On se retrouve ce soir pour du Far Cry. Ciao.